Le servant, pour moi, c'est une forme et un symbole très fort que j'aimerais bien aller voir en vrai et puis dessiner. Le servant. J'ai vu sur la boîte de carandache ou les photos, et puis c'est tout. Donc j'aimerais bien avoir sur place plein mes yeux pour avoir les sensations près de cette montagne. J'aimerais bien sentir. C'est mon rêve. Parce qu'on a le droit d'avoir des rêves. Quand je monte à la montagne ou la nature, je me sens bien. Ça donne des forces, donc l'odeur de forêt, des lichens, c'est j'adore. En Corée, quand j'étais jeune, la montagne ne m'intéressait pas. Mais maintenant, de plus en plus, c'est l'immensité de la nature qui m'ouvre beaucoup d'inspiration. Pour moi, la Corée était beaucoup plus... les montagnes sont basses et puis très collines douceur. Et quand j'arrivais là, c'est le très minéraux, rocheux et très brut, masculin, je dirais. Peut-être c'est la différence qui m'attirait énormément aussi. Il y a du vent, et donc j'ai fait plein de tâches, il y a des accidents, mais c'est ça le côté qui me fascine aussi. C'est, je pourrais faire comme je veux, mais c'est la sensation, elle est là. C'est face à la montagne, et c'est l'immensité de la nature, je ne peux pas tout dessiner, donc j'essaye d'interpréter. Mais j'aime bien ce moment. C'est le vent frais, et puis froid arrive. Oh, j'aime bien. Le nez qui coule. C'est la vie. J'aime bien.
je dessine énormément. Je fais beaucoup de croquis durant la randonnée. Donc, c'est le, parmi les croquis que j'ai fait, selon des envies, après, c'est le, je développe en fait en grand format. Là, c'est le, je travaille à l'intérieur. Forcément, sur un grand format que je travaille, c'est le, vraiment c'est très gestuel. Et puis, il faut être spontané et vite réagir. Comme ça, c'est le papier qui absorbe très vite. Donc, c'est l'empreinte de mes gestes qui détermine en fait des formes. Quand on développe le photo noir et blanc dans la chambre noire, dans le produit, sur le papier blanc, en fait, c'est comment ça, tout doucement, c'est l'image apparaît. C'est moi qui diffuse, qui fait suggérer des nuances. Je crois que ce moment, à mon avis, les photographes aussi, sera la même chose. Aïse, donc c'est un petit village de 2000 habitants situé entre Chamonix et Genève. Je dis toujours que j'ai de la chance d'installer ici et que nous, comme on a 3 enfants, donc on cherchait un petit village et puis petite école où mes filles pouvaient s'épanouir. Et puis Enzo. Oh, c'est presque Emma. Ah, oh, bien tenté. Donovan. Toute ma famille, c'est-à-dire que mes parents, mes frères et sœurs sont en Corée. Je suis seule à installer en Europe. Et ici, j'ai fondé ma famille. Et il y a ma belle-famille et puis mes amis. Guillaume, bravo. Donc, il faut bien observer, regarder. Pour moi, c'est le où on vit, où on trouve la harmonie. Et là, c'est mon pays d'adoption. Donc. Après, il faut trouver l'équilibre. Hein? Oui, donc où il y a le légèrement feutre, tu, vas-y, commence pour voir quel effet ça donne. Ouais. Et puis, si tu lèves le pinceau comme ça, ça fait très fin. Et si tu couches, tu peux avoir le large. Hmm? Alors, c'est joli. Oh, mais qui a fait? C'est toi qui a fait. Bravo, Cassandra, dis donc. Alors là, tu vois, tu dis que tu sais pas dessiner, mais tu vois, tu sais dessiner. Hein? On dit, si tu sais écrire, on dit, tu arrives à dessiner. C'est une nouvelle expérience pour les enfants. Hein? Et ça. Puis, le résultat, l'air de sang, c'est magnifique. J'adore ce côté naïveté et qui apprend très vite. J'aimerais bien qu'il garde bons souvenirs et puis continuer à apprécier la nature.
dans la nature, des sujets que je traite principalement, c'est la montagne et des arbres, et les rochers, de l'eau, la neige, et puis brume. Le lac, c'est venu assez naturellement. Donc, c'est commencé par le lac d'Annecy, après, c'est le lac Léman. Et là, première fois que j'ai vu le lac Léman, je vois, c'est comme la mer, pour moi, hein, comme si c'était la mer. Et donc, c'est la ligne d'horizon qui s'ouvre. J'étais jeune, je ne crois pas que j'étais si sensible à la nature. Ça m'intéressait plutôt bien représenter les humains, les gens, les personnages, les mouvements. Ça m'intéressait plus que la nature. Prochain arrêt, Vouvet. Je suis née en Corée du Sud. J'ai grandi petit village. Mes parents sont très bosseurs. On était très pauvres en Corée du Sud après la guerre. Moi, j'étais très sage. Très sage et très têtue. Très têtue. Et puis, je dessinais tout le temps. Donc, tout le monde me laissait tranquille. Je dessinais partout, au mur, par terre, des livres. Toutes les illustrations de livres, j'ai pratiquement tout copié, je crois. Quelqu'un qui rêve de beaucoup de choses et puis quelqu'un qui donne un coup de pouce, c'est énorme. C'était le... inoubliable, cette projection que j'ai vue. Moi, le souvenir que j'ai, le bruit de machines et puis la lumière qui traverse comme ça avec poussière qui bouge. Mon père qui mêle dans la machine. Après, il dit, c'est pour toi. Regarde. C'est Pietà, à Vatican. Quand j'étais petite, mon père il a fait un voyage d'affaires en Europe et il m'a offert tous les diaporamas et puis des livres où il y avait des images comme ça. Et pour moi, c'est la révélation, en fait, de connaître l'art occidental. La Joconde. Moi, j'ai appris Mona Lisa. Pour moi, c'est l'arrière-plan. Il y avait le petit chemin qui menait dedans. Comparé à l'art asiatique, vraiment, c'est la perspective, la science qui a mis un art. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a touché énormément à cette époque. Ça donne envie de faire ces études, les études donc l'art occidental. C'est magnifique. C'est ça que je veux faire. Oh, c'est ma mamie. Oh.
C'est les mains de Rodin, la sculpture que j'ai interprétée en mosaïque, en papier collage. C'était le Van Gogh. J'ai fait de longues études et ensuite, j'enseignais pour travailler. Après, j'ai pris une année sabbatique. Et là, je suis venue en Europe, à Chambéry. J'ai de la chance qu'il y a à Annecy, il y a l'École supérieure d'art, donc j'ai pu continuer mes études, photo et art vidéo. À ce moment-là, je ne dessinais plus. Quand je l'ai rencontrée, elle avait des cheveux très très longs. Et elle produisait donc de la gravure, de la vidéo, beaucoup de vidéos. Elle faisait des vidéos très intéressantes. Et je l'ai croisée. Et voilà, quoi. Donc, un coup de cœur. Ce qui ne s'est pas fait tout de suite. Rodolphe, lui, il était déjà enseignant. Et à cette période, c'est pour moi, une année après, je rentre en Corée, donc ça ne m'intéressait pas les garçons. Et puis ça, l'enseignement et les enfants, mariage, c'est déroulé comme ça, très vite. Ah, on y est. Ok. Je vais faire un peu de temps. C'est vrai? Oui. Je vais faire un peu. Tu as oublié beaucoup de choses. Oui. C'est pas bien, il faut donner plus de avoir des enfants, c'est, ça change énormément. Je dirais que c'est le 15 ans, je ne peux rien faire. je peux pas tout faire en même temps, donc je ne peux pas faire mon travail personnel. Peut-être carrière artistique, c'est en retardé. C'est pas grave, c'est la vie. Et puis j'ai appris beaucoup de choses avec les filles. C'est le dessin était présent, hein. C'est le toujours j'enseignais. Le dessin était toujours là pour mes élèves, c'est pas pour moi. Mais c'est le 2012, je crois, c'est le voyage en famille en Corée. Là, c'est vraiment, c'est revenu. Quelque part, ça me rappelle de petits souvenirs d'enfance. Et là, c'est en revisitant ou avec mes filles et Rodolphe. Et puis, tout ce que je vois, le paysage, ou les maisons anciennes, tout ça, ça m'a fascinée aussi. Et là, j'ai commencé à ressortir mes carnets et crayons. Et puis elle s'est remise à dessiner. Et puis dans un premier temps, c'était seulement pour le plaisir de faire. Et c'est devenu un travail à part entière. Ça ? Elle a un côté assez magique dans tout ce qu'elle touche, dans tout le domaine de la création. Bien, bien. Quand on regarde ses anciens carnets de croquis, lorsqu'elle était enfant, il y avait déjà des choses qui étaient assez bluffantes à découvrir. Et on se disait, punaise, elle avait que 12-13 ans, quoi. Sa mère a dit souvent que Ji-Hong est né avec un pinceau entre les mains, quoi. Maintenant, partout où on se promène,
Je commençais à faire des croquis, comme par exemple des arbres. En se promenant, d'abord c'était l'odeur qui m'a fait comme des flashs. Quand j'étais petite, je regardais les arbres, des écorces, je touchais, je sentais. Ça, c'est revenu comme ça. Mmh. Là. Eh ouais. Mais t'as trouvé ? Oui, je t'ai montré. Ah, moi aussi j'ai trouvé où c'est. Comme mon atelier est petit, donc quand il y a pas de les filles, bon, je descends tout et puis je vais avoir du recul pour voir. Donc c'est le grand format et puis pour moi ça prend du temps pour sécher et puis je regarde souvent. Et là je ressors tous les souvenirs, toutes les couleurs que je voulais travailler, etc. Donc c'est, je dirais, c'est l'émotion qui revient. Je remplis pas tout l'espace. J'utilise beaucoup de vide pour aérer, pour respirer et puis pour imaginer, pour stimuler les spectateurs. C'est laisser aller. Lorsqu'elle était étudiante en Corée, elle a étudié donc l'art occidental. Et puis maintenant, lorsqu'elle est en train de travailler, donc il y a plutôt une culture asiatique qui revient, qui émerge, où on va retrouver donc une grande gestion des vides, des laviers éthérés, etc., comme on peut retrouver dans la peinture asiatique. Et puis après, énormément de détails qu'on pourrait retrouver également dans une certaine peinture occidentale. C'est vraiment un mélange de ces deux cultures qui est en train de se faire. Maintenant, je dirais, elle est dans une espèce d'économie de moyens, dans son moyen d'expression, mais qui lui permet d'avoir une grande justesse dans ce qu'elle donne à voir. En fait, c'est ce que je ressens et ce que peuvent ressentir certaines personnes lorsqu'elles découvrent son travail, quoi. Les filles, qui vont m'aider pour tirer, frotter un peu les drawing gums? Cool. Attends, ouais. Wow, merci, ma chérie. C'est le culture origine qui revient étrangement, parce que quand j'étais jeune, c'était toujours tiré vers Europe. Et avec l'âge, je retrouve ou j'attire beaucoup de richesses vers mon origine. Donc je dis, c'est étrangement, ça ressort, mais peut-être c'est naturel. Naturellement, ça revient. Je vois rien, je vois pas.
c'est génial. Il se cache. C'est mieux. Mille fois mieux. C'est magnifique.